Et bonjour à tous. Nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce beau week-end. Ma vidéo sort un petit peu en retard par rapport à d'habitude. Tout simplement parce que j'étais complètement claqué hier soir. Et bref, j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit. Donc j'ai préféré partir dormir et faire la vidéo en étant bien frais et bien dispo. Voilà. Les nouvelles du jour, il n'y en a pas énormément. On va avoir l'ajout de nouveaux scénarios de Next Dream avec la rehausse de certaines TS, enfin bref, voilà, rien d'extraordinaire. Et on a deux nouveaux portails, donc le portail Hollande avec Dick, Dolman et Klisman. Et on aura un nouveau portail Next Dream qui va arriver bientôt avec probablement à la suite de celui d'avant qui est avec Ishizaki et Matsuyama qui termine lundi, si je dis pas de bêtises. Donc ça va sûrement enchaîner soit mercredi, soit peut-être avant, on ne sait pas. Donc on aura l'annonce officielle lundi. On aura l'annonce officielle lundi, peut-être pour une sortie mercredi. Donc avec Kraus, c'est un portail spécial Dortmund, donc avec Michael Kraus et Heartland. Donc Michael Kraus, hein, pour ceux qui ont vu le scénario Next Dream qui est sorti l'avant-dernier. Donc l'avant-dernier, avant le dernier qui va sortir bientôt. Il met la misère à Tsubasa, voilà, dans le match contre Dortmund. Voilà, bref, voilà, je vous passe les détails, je vous laisse regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Donc on va passer d'abord à l'analyse des persos du portail hollandais, ensuite du portail Next Dream, comme ça on fait ça dans l'ordre de sortie, bien correctement et bien comme il faut. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier joueur, du portail hollandais, Monsieur Léon Dick, dans défenseur poste unique rouge. On commence à manquer de rouge. Donc c'est bien que ça arrive petit à petit. Donc il arrive pas de nouvelle TS. Il arrive avec son meilleur contre. Ensuite, comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS. Sachant que maintenant qu'on a pas mal de persos qui scellent, Christensen, Roberto. Michael, Bounak, c'est plus côté offensif. Donc je vous ai triplé les tacles, triple inter et un contre. C'est ce qu'il y a de mieux actuellement pour un défenseur. On se passe de la relance. Si vous n'avez pas d'anticipement, il vaut mieux s'en passer. Parce que sinon, votre défenseur, il deviendra totalement inutile. Voilà. Face à l'un ou à l'autre, en fait. On attaque l'analyse. Je vous dis tout ça après. Donc, joueur de type force 28%, leader skill, c'est bien, pas de souci. Le passif 100% contre automatique, on en parle juste après, vous inquiétez pas. Donc, ensuite, les achats, donc le lien non-jap, donc 6 joueurs non-jap, 10%. Donc, il est très fortement préposé à jouer dans une non-jap. Donc, oui, comme ça, lien stable, aucun problème. Stimulus, donc en cas de duel réussi, 5% pour les Hollandais, pas de problème, c'est tout à fait normal venant d'un joueur hollandais. Voilà, donc résistant, il se fait plus envoyer en l'air, c'est bien, donc préposé à jouer défenseur central. Et enfin, il booste les Hollandais de 2%, c'est bien. Donc là, on est totalement dans le total football. Dans le total football, après avoir sorti Brian et Stein un mois, ça fait quasiment un mois maintenant. Ils nous sortent des persos pour booster les Hollandais, mais est-ce que c'est intéressant maintenant? Je vous dis tout ça après, vous inquiétez pas. Je vous dis tout ça après. Donc, c'est un bon défenseur qui a un kit intéressant. Il booste les joueurs hollandais de manière fixe et de manière ponctuelle, on va dire ça comme ça. Donc, c'est bien. Moi, j'aime bien. Par contre, son passif, non. Moi, j'aime pas, je déteste, je supporte pas. Pourquoi? Après, vous me direz oui, mais le combo contre auto plus résistant, ouais, il y a de fortes chances qu'il récupère le ballon et tout, ouais, mais en fait, ce qui me dérange énormément avec le passif auto contre, c'est que ça aboutit la plupart du temps à des fumbles de la mort, ce que j'appelle des fumbles de la mort, c'est qu'en fait, le ballon il rebondit, t'es en défense, t'as un fumble, le ballon ça touche ou ça, enfin il dévie le ballon et en fait ça arrive sur l'attaquant adverse.
ça arrive sur l'attaque adverse qui est tout seul dans la surface et il peut tirer. Voilà. Ça arrive très très souvent avec quand le ballon il arrive sur des défenseurs qui auto-contre. Voilà. Et le pire 100%. C'est pour ça que je ne supporte pas ce passif. Je le supporte pas. Je le déteste. Donc j'aime pas. J'aime pas du tout. Voilà, ça, pour moi, ça. C'est un red flag. C'est un red flag. Bon, c'est pas le bon mot, mais c'est pas bon. J'aime pas ça. J'aime pas ce genre de passif. Ceux qui sont pas chanceux dans le jeu, ils vont penser comme moi. Ils vont penser comme moi. Voilà, vous savez ce que ça a donné avant. Avant, à l'époque où c'était horrible, il y avait ça fumble de partout, tu récupérais le ballon et tu perdais. Ouais, ça envoyait. En plus, surtout à l'époque où t'avais pas trop, forcément la notion du hors-jeu. Le hors-jeu, après, ça a très très vite changé. C'est pas resté très longtemps cette histoire. Voilà. Non, moi, je suis pas pour. Je suis vraiment pas pour. Je suis vraiment pas pour. C'est pas un passif que j'aime. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut pas dire qu'il est pas intéressant, mais ça. Les conséquences de ça, quand c'est loupé, c'est très souvent duel solo face au gardien. Voilà. Non. J'aime pas. Bref, je suis vraiment pas pour. Je suis vraiment pas pour, mais ça reste quand même un bon joueur. Ça reste un bon joueur, malheureusement. En fait, son kit fait qu'il est préposé à jouer central. Donc, le mettre sur le côté, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien, sachant qu'en plus, qu'il a pas auto-interception, c'est vraiment que contre auto-contre. C'est vraiment que contre auto-contre, donc voilà. Ensuite, donc toujours 80%, on reste à 80%. J'ai pas mis les liens sans boost parce que ça sert à rien. C'est un lien qui est actif pendant toute la durée du match. Prolongation comprise. Donc il est bien, j'ai bien mis 12% et pas 10. Donc j'ai rajouté le boost de pourcent hollandais et c'est pas mal. Vous voyez, c'est en bonne lecture, il va récupérer des ballons. Ça c'est très bien. C'est très bien, c'est ce qu'on demande. On ne demande pas plus à un défenseur, c'est de savoir en cas de bonne lecture qu'il récupère le ballon. Le plus, c'est qu'il récupère en mode Google. Donc il tacle, il récupère le ballon, même si en face ça fait la bonne lecture. Donc voilà, mais non. Là il fait le travail. Il fait le travail, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Maintenant, là, il faudra lui mettre quelques boosts en plus pour pouvoir choper Schneider. Mais il peut faire le taf. Il va faire le taf. Et ça c'est très bien. C'est très bien. Après, comme je dis quelques boosts, c'est pas énorme. C'est pas même énorme, même un seul et même 100, je pense qu'il a largement ses chances de récupérer le ballon. Voilà. Donc je vous ai fait un petit compas avec le meilleur défenseur rouge actuel pour moi qui est Ishizaki. Ishizaki, n'oubliez pas que le contre en fait c'est avec le tueur de tir. Donc voilà, c'est bien. Vous voyez qu'il tient parfaitement la route. Il tient parfaitement la route, c'est du 630 quasiment partout. Tacle contre inter. Donc c'est bien. J'ai rien de spécial à dire sur ce joueur-là. Il est bien, c'est vraiment ce qui me fait hérisser les poils ce qui me fait hérisser les cheveux, pardon. C'est le 100% contre. Non, je suis vraiment pas fan. Je suis pas fan du tout de ce genre de passif. Voilà, j'aime pas trop. Mais voilà, il a de très très bonnes stats. C'est bien. Il a pas auto-inter, ce qui est dommage. Le auto-contre auto-inter, ça aurait été bien. Mais vraiment, le auto-contre, c'est vraiment un truc de gogol. C'est vraiment un truc de golo, non, je valide pas. Je valide le perso, mais pas le passif. Voilà. Allez, joueur suivant, c'est parti. Klinsmann, milieu de terrain, MOMD, double poste comme d'habitude. Donc, il arrive avec une nouvelle TS. La nouvelle TS, le Total Evolution Football. Comme si on en avait pas marre de la Total Evolution. Ils nous ont sorti une évolution. Franchement, vous avez vraiment rien à faire, club, sérieux. Bref. Attention, il arrive avec le leader skill, joueur non jouable de type vitesse, 28%. On a le troisième leader skill, 28%. On sera pas obligé de mixer comme certains que j'ai vus, certains qui m'ont incité à le faire, certains où j'ai essayé aussi. J'ai essayé aussi, je me suis pris un, vas-y, qu'est-ce que tu fais, Mactiris, comme toi. Voilà, donc le troisième leader skill, 28%. Enfin, allié avec le Euro. Le Euro et le Euro ou le Asie ou le Sidam. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas l'un des trois, et vous en avez deux sur trois, vous avez le troisième là. Si vous en avez un, vous avez le deuxième là. Voilà, c'est parti. On commence à quitter tout doucement le trois joueurs de type. Trois joueurs de chaque type pour retourner au mode classique. Donc cinq joueurs de type ce que vous voulez. Donc voilà. 28%, c'est bien. C'est bien, ça arrive petit à petit.
petit à petit. Je pense qu'on va en avoir plusieurs pour l'anniversaire. C'est bien, c'est bien. C'est bien, je valide totalement. Donc super leader skill, parfait. En plus c'est non jap, donc on peut mettre ce qu'on veut. Pas euro de type vitesse, pas nanana, non, c'est que non jap de type vitesse et c'est bon. Voilà. Ensuite le passif, la ligne 2, 30% en plus de distance augmentée, c'est bien, donc c'est totalement en accord avec la Total Evolution Football. Et Total Football Evolution, pardon. Ensuite on continue, donc 10% de full might. Ouais c'est bien, on n'a pas besoin de. Pas besoin qu'il arrive à 50, donc en fait ses stats vont un peu baisser. Ils sont pas mal, ils sont très bien au début, un peu moins vers la fin du match, mais c'est bien. C'est bien, on prend quand même la outline Klinsmann sur les attaquants. Donc on commence à avoir après Shingo et Tsubasa, on a Klinsmann, je crois qu'il y en a d'autres, mais j'oublie lesquels. Mais attaquant MO c'est bien aussi. Attaquant MO c'est bien. Pourquoi que sur les attaquants? Enfin bref, c'est vraiment pour pouvoir privilégier que les mecs en attaque, ça permet à Zinho d'avoir plus de chance aussi. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, Zinho qui est spécial attaquant et en fait on a certains qui ont tendance à faire redescendre KHS, Rivaul, Roberto en MO pour pouvoir avoir plus de chances de cogner. Mais voilà, avec ça tu remets les trucs à zéro avec la outline pour les attaquants, tu permets de remettre les trucs à zéro. Voilà. Ensuite, et enfin, pour terminer, le petit boost classique pour les joueurs de la Total Football, le joueur hollandais, 3% et pas 2. Voilà, c'est bien. C'est bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs TS, sachant que la Pasterk a été revue à la hausse. Et le drip double enjambé, pardon, a été revu à la hausse aussi. Voilà, donc ça passe à 530, c'est très bien. C'est très bien, on prend. Alors il peut jouer partout. Il peut jouer partout sur le terrain, donc MOND. Il a les stats pour en tout cas. Les stats pour. Entre parenthèses, mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Je préférais plus le jouer à MO. Sachant que c'est vrai qu'il y a beaucoup de teams qui sont en anti-auto-inter. Donc en fait, l'auto-inter, pourquoi l'ajouter? Oui ou non? Ça dépend en fait. Ça va dépendre de ce que vous avez en face de vous. J'ai oublié de rajouter aussi le passif. Le passif il sèle 2 inter, mais c'est que 50%. Pourquoi que 50%? C'est un coup sur deux. Un coup sur deux, t'es très bien. Un coup sur deux, ça va être un peu compliqué pour toi. Donc il va falloir faire la bonne lecture. Un coup, tu passes en mode gogol, et un coup, t'es obligé de faire la bonne lecture. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un petit plus. On va pas cracher dessus. On prend, on va pas se prendre la tête. Même si c'est que 50%. On aurait voulu plus, bien sûr, hein, on veut toujours le meilleur pour les joueurs qui sortent. Mais voilà. Mais après, voilà, ça reste. Il est préposé à jouer dans la Total Football, pouvoir renforcer Brian, renforcer Stein, aussi qui est un peu lèche défensivement. Mais c'est bien, ça ajoute du grain à la Total Football. Et c'est aussi, la plupart du temps, Klinsmann, c'est aussi un point central. Un point central à Total Football, c'est lui qui distribue et donne les ballons. Donc, il distribue et récupère les ballons. C'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un bon Klinsmann. Côté stats, il est très bon offensivement, un peu léger défensivement, mais il fera quand même le taf. Il faudra juste faire attention à sa stam, juste faire attention aux personnes qu'il va rencontrer parce qu'il est sellable. Il n'a pas le combo seulement anti-seulement. Donc, il va falloir faire attention à qui vous rencontrez sur sa route. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, la petite comparaison. Alors, oui, j'ai rajouté Mickaël. Parce que Mickaël, je trouve que c'est le MOMD. Le MOMD qui commence à apparaître un peu partout. Comparé à Sawada aussi, qui est le MOMD côté Jap. Donc, oui. Voilà, vous voyez qu'offensivement, ça tient la route. Défensivement, c'est du même acabit de Sawada. Donc, bien boosté, il fera le travail. Bien boosté, il fera le travail, voilà. Voilà, je peux pas vous dire plus que ça, mais c'est très bien. C'est très bien, moi je valide. Je valide totalement le Klinsmann. Il faudra juste, booster, il faudra y faire attention. Voilà. Ensuite, ça va vite. On défile, on perd pas de temps, on y va. Perso numéro 3, Dolman. Dolman qui est controverse parce que c'est soit il est ça va, soit il est très très nul. Voilà. Et celui-là, moi j'aurais tendance à dire ça va. Donc pas de nouvelle TS non plus. Donc 1207 de stamp, c'est un peu léger. Donc puissance sauveteur, sa TS à 539 par rapport au gardien
aux autres gardiens qui sont à 550. On a tendance à dire que c'est un peu léger, mais ça rattrape. Donc le lien Hollande, donc 4 joueurs hollandais, 20%. Donc en fait, il va prendre. Là, il faudra le jouer avec les autres, avec Lisman, avec Dick. Je vous explique pourquoi après, mais c'est un perso qu'il faut. Lui, si vous n'avez pas les autres, ne jouez pas. Le portail est aléatoire. Hein, si vous tombez dessus, bon, c'est malheureux. Mais sans avoir les autres, c'est malheureux. Mais voilà. Mais si vous pouvez le mettre que si vous avez les autres. Si vous n'avez pas les autres, ne le mettez pas, ça ne sera rien. Même par rapport au lien, vous pouvez mettre. Comment il s'appelle, Brian, Stein avec Davy, voilà, vous avez les 4 et Dolman ça fait 4, mais il faut que vous jouiez les boosts, je vous explique tout ça après, vous inquiétez pas. Alors intensité de l'ATS, donc 10%, donc ça, il va rattraper le 539, donc c'est bien, courage, donc il peut rester jusqu'à la fin du match, c'est très bien. Paramètre joueur, paramètre augmenté 2%, il prend 2%, c'est très bien. Un anticipement, c'est très bien aussi, c'est parfait, pas de soucis, c'est un bon kit gardien. Alors, bon courage, oui et non. Alors, attention. On a tendance... Enfin, c'est vrai que le Dolman, la plupart du temps, c'est pas des gros gardiens. C'est pas des gros gardiens. C'est des gardiens gentils, gardiens 3%, des gardiens anniversaires qui vont pas rester longtemps, voilà. C'est juste pour le fun, pour pouvoir le jouer la Google Total Touch Football, rajouter des boosts hollandais, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez que ça va. On va dire que ça va. Ça va, ça tient la route. Ça tient la route. J'ai pas mis sans boost en match parce que ça servait à rien. Ça servait à rien. Ça va, ça tient à peu près la route. Ça tient à peu près la route. Comparé aux autres, c'est un peu compliqué. Alors attention. Alors là, on va rire. Alors, au premier abord. Il est en dessous de tout le monde. Donc en fait, au premier abord, il est très nul. C'est un peu du niveau de Salinas. Le Salinas Dreamfest qui a été rework. Voilà. Donc face aux attaquants allemands. Donc au premier abord, tu peux te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Mais en fait, il est super nul. Mais, attention, quand tu commences à rajouter Dick et Klisman, tu arrives à 722. Donc en fait, tu es à peu près du niveau Casillas. Casillas, que je disais, qui était un peu nul. Qui était une fraude. Donc il commence à être nul aussi. Mais, la plupart du temps, les Hollandais, c'est des joueurs qui sont boostés. Des joueurs qui sont boostés. Bon, là, je vais dire, ouais, mais si on rajoute des boosts à tout le monde, non, oui. Mais en fait, la Total Football, c'est un peu comme les joueurs allemands. C'est des mecs qui sont boostés tout le temps. Et qui. En fait, le Total Football, c'est vraiment. Si vous jouez la Total Football, c'est que vous avez tous les boosts hollandais. Donc, en fait, en arrivant avec tous les boosts hollandais. Avec un stimulus, tiens, il y a un chèque à bois. Oui, c'est un chèque à bois. Vous pouvez monter, en fait, le double stimulus Dick et Klisman, je crois. Dick et Klisman. Non, c'est pas Dick et Klisman. Si vous avez le boost Dick, le stimulus Dick, il y a des chances que ça monte très très haut. Un autre stimulus encore, et vous montez très haut, en fait. Il y a moyen de monter à 750 000, donc du même niveau que Zino Vert. Et en plus, vous n'aurez pas de contraintes. Mais après, c'est sur stimulus, donc ça va être sur un arrêt, il faudra reproduire le stimulus. Donc ça commence à être un peu compliqué. C'est pas la folie, mais si vous jouez bien, il y a moyen que vous soyez à peu près tranquille. Pas trop emmerdé. Voilà. Mais comme je vous ai dit, le 706 000, c'est vraiment parce qu'il est au plus bas et sans Dick et Klisman. Avec Dick et Klisman, ça commence à être un petit peu sympa. Mais ce sera toujours pas à la hauteur des superstars. Les superstars, ils vont le cogner. Cogner, Yuga, je pense qu'il peut l'allumer. Yuga, il y a des fortes chances qu'il l'allume. N'oubliez pas qu'on est à 80%. Donc Yuga, il y a des chances qu'il l'allume. Vous avez Brian aussi. Brian, il va le terminer. Voilà, c'est... Voilà, donc vous pouvez avoir quantité de boost, quantité de stimulus, donc le stimulus de Brian plus le stimulus de Dick qui vous permettent de le faire monter assez haut. Mais ce sera des one-shots qu'il faudra renouveler. Et c'est embêtant. Mais sinon, voilà. À part ça, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Voilà. Après, ça reste un gardien 3%, donc faut pas s'attendre non plus à ce qu'il soit à la hauteur des Super Dreamco,
des Super Drink Co ou voir des Super Drink Fest à venir ou voir du Superstar Genzo. J'ai pas mis Genzo, le Genzo SS hein, parce que c'est il est au-dessus de tout le monde. Et dessus tout le monde, même si il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, mais il reste quand même le meilleur gardien, enfin pas le meilleur gardien, le deuxième meilleur gardien du jeu, question parade. Voilà. Oui, oui, le deuxième meilleur gardien. N'oubliez pas que le premier, c'est toujours Nakaichi. Et ça le restera pendant très très longtemps. Voilà. C'est sur son premier arrêt. Son premier arrêt, il est infranchissable. Infranchissable. Voilà. Voilà, donc l'analyse des joueurs hollandais est terminée. Vous avez votre premier avis, n'oubliez pas quand même c'est un portail 3%, donc ne criez pas à la fraude, tout ça, c'est un portail 3%, calmez-vous, d'accord. Moi je crie pas à la fraude, c'est des bons joueurs de portail, mais sans avoir à se dire mais ils sont vraiment très très nuls, hein. Non, c'est juste des bons joueurs de portail, sans plus, voilà, faut les traiter comme tels, et pas de discrimination s'il vous plaît, voilà. Voilà, analyse de portail terminée, on peut passer à la suivante. Allez, c'est parti. Deuxième partie de l'analyse de la vidéo. On passe au portail Nexrim avec Heartland. On commence par Heartland qui arrive avec une nouvelle une 2 avec Michael Kraus. Donc 1241 de stam, je ne me rappelle plus si c'est exactement ça. Je suis plus sûr. Je pense pas que ce soit c'est exactement, mais c'est pas. Bref, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc la nouvelle 1-2 à 539 avec Michael Kraus. Donc si vous voulez vraiment aller spotter au maximum, il va falloir avoir les deux joueurs. Donc le tir broyeur qui a été revu à la hausse, qui est passé à 550. Le drip du bélier qui est passé à 540, c'est bien. C'est bien, hein, c'est bien. Donc on rehausse CTS pour pouvoir essayer de le mettre au niveau du jour. Donc le passif, le leader skill, pardon, 25%, on le met de côté, ça ne nous intéresse pas. L'augmentation de distance, comme Kissman, tiens, 80%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il peut vous prendre du milieu de terrain et arriver au bout dans la surface de réparation où il prendra 10%. Oui, la transition est extraordinaire. 10% dans la surface de réparation. Ensuite, la outline MOMD. Alors, donc dès qu'il a une passe, ça peut être une passe blanche, ça peut être une passe TS. Et MOMD il va prendre 5%, donc combiné avec Jean-Ra Roberto il va prendre 10%, combiné avec Ashingo il va prendre 13%, combiné avec, voilà, vous avez compris, combiné avec un Mike Lotline il va prendre plus que ça, c'est très bien, c'est un très très bon passif pour un attaquant de pointe. Récupération 80%, il va revenir très très vite, annulation du scellement en fait, un anti-scellement, ça y est, je m'égaye, pardon. Une tentative de scellement en moins, c'est bien. Pas de soucis, pourquoi pas, pour un perso qui a pas de TS doublé, on prend, pas de problème. Et enfin le petit truc qui va faire que le perso va vouloir être absolument cherché, le lien 7,5% avec 3 joueurs Nexrim. Alors attention, 3 joueurs Nexrim, ça veut dire que il va falloir remettre des joueurs Nexrim sur le banc. Il commençait à être effacé. Il y en a très 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 peu qui sont joués. Il y a Shingo, peut-être un Ishizaki vert, mais encore c'est très très compliqué. C'est très compliqué, il va falloir le mettre les trois. Il faudra mettre les trois. Bon courage hein, pour ceux qui ont envie de le mettre, mais c'est pas impossible. Voilà. Oui, donc c'est. Alors il n'a pas beaucoup de TS, donc je vous ai mis tous ces TS disponibles. Il y en a d'autres, hein, il y a un attaque coulissant de génie, je crois, ou un truc comme ça, mais voilà quoi. Ça sert à rien de l'ajouter. Si vous voulez l'ajouter, libre à vous. Mais je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien, vous comprendrez très très facilement pourquoi. Donc, il arrive dans la surface très vite, c'est un bon buteur, pourquoi pas. Mais il peut que. Et voilà, c'est qu'un buteur. C'est qu'un buteur. Il a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Dribblement compliqué. Passivement, très compliqué. Voilà, c'est. Je sais pas si c'est à l'image du Haaland, parce que je regarde pas énormément Haaland jouer, parce que Manchester City ça m'emballe pas plus que ça. Non, s'il vous plaît, pas de débat là-dessus, j'ai pas envie de me lancer sur ce débat là. Mais bon, voilà, bref, allez. Donc sans boost en match, voilà, c'est pas génial, donc hors dehors de la surface. Il va se faire attraper très facilement. Regardez sa TS de passe. C'est vraiment sur la passe. Sur la N2, ça va peut-être monter à 100K. Mais voilà quoi.
Voilà, il suffit d'un bon défenseur en passe, il va lui récupérer le ballon et terminer, quoi. Fin de l'histoire. Donc ça va vraiment être un joueur à qui donner le ballon dans la surface et marquer après. Voilà, on n'a pas de tentative de dribble ou de 1-2. Donc en fait, son passif, il ne sera rien. Il ne servira à rien. Les équipes surboostées, ça va être compliqué. Ensuite, donc dans la surface de réparation, c'est pas génial non plus. C'est pas génial non plus, surtout que défensivement, c'est juste un plot, quoi. C'est juste un plot, donc voilà, je vais pas polémiquer plus que ça ou essayer de vous le vendre. J'arrive pas. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, donc voilà. Voilà. Ensuite, la comparaison. Alors, je vous ai fait une belle compa. Je répète. Voilà, avec les buteurs actuels hors SS, donc Santana côté Sudam, Yuga côté Jap, et après j'ai mis Brian juste pour le fun. Voilà, donc vous voyez que Brian est légèrement en dessous de Yuga, légèrement en dessous de Santana, mais ils sont beaucoup plus utiles. Ils sont beaucoup plus utiles. Je préfère jouer Brian que Yuga, je vous dis honnêtement. Parce que en fait, les joueurs auront plus facilement tendance à aller sur Yuga que sur Brian. Sur Brian, ils n'auront pas trop envie. Bref, on en revient à Londres. Après, on peut débattre sur ça. Moi, ça ne me dérange pas. Débattre là-dessus, pourquoi les mecs ils vont plus sur Yuga que sur Brian. Parce que Brian, il aura la possibilité de récupérer le ballon. Tandis que Yuga, sur un très bon passeur, il aura du mal. Même si vous le boostez, si en face de vous, vous avez un joueur du même boost, voilà. Il ne va pas récupérer le ballon, surtout que Yuga, il est scellable. Yuga, il est scellable, contrairement à Brian. Voilà. Je vous ai arrondi les angles. Si vous voulez débattre dans les commentaires, vous pouvez y aller, pas de problème. On le fait dans la joie et dans la bonne humeur. Je suis ouvert à la conversation, vous le savez très bien. Ensuite, donc, voilà, en fait, on va plus le comparer à Santana. Donc, je suis désolé, ça me fait mal au cœur de dire ça. Encore une fois, mais voilà, il ne sait pas dribbler, il ne sait pas passer, il ne sait pas tacler, il ne sait pas interception. Il est juste là pour tirer, il tire très bien, mais voilà, c'est sans plus, son gros problème, je développerai après, c'est qu'il est vert, c'est un attaquant vert européen. Voilà, je vous ai balancé les prémices, je vous ai spoilé un petit peu, mais voilà, vous savez à quoi vous attendre. Ensuite, nous allons deuxième perso du portail. Nous allons continuer avec un nouveau perso qui vient d'arriver. J'ai nommé Michael Kraus. Alors, tout le monde m'a sorti. Ouais, Maxi, c'est un Allemand. Une dédicace à ceux qui m'ont dit. C'est un Allemand, tu vas voir. Là, j'ai dit, ouais, mais vous êtes sûr qu'ils vont pas nous le faire comme ils ont fait avec Nakamura? Genre, ça va être un sans-papier. Je m'explique. Alors, pourquoi sans-papier? Je m'explique. Parce qu'en fait, Nakamura, ils l'ont mis anglais. Alors que c'est un japonais de base. Hein. C'est un japonais. Je peux pas vous donner le nom exact du Nakamura IRL sur qui il est basé, mais c'est un japonais qui a joué au Celtic Glasgow. Et voilà, donc en fait, eux ils l'ont mis anglais, c'est Google. Mais en fait, le truc c'est que quand tu regardes le truc anglais, la page anglaise sur le répertoire des joueurs, Nakamura n'apparaît pas. Donc, moi j'appelle ça un sans-papier. Voilà, donc je suis désolé, j'appelle ça sans papier. Voilà, bon, je vous la montre tout de suite. Hein. Voilà, et pas de triche, il n'y a pas de triche. Angleterre, il n'y a pas de Nakamura. Et on va même conclure, hein. On va dire, ouais, peut-être qu'ils l'ont mis côté japonais. Ouais, t'as raison. Ouais, il est où? Pas de Nakamura, voilà. Donc on nous a escroqué. Voilà, donc ils nous l'ont vendu. Oula, je vais faire une bêtise. Voilà, donc ils nous l'ont vendu, mais ils nous ont escroqué. Donc voilà, Nakamura, c'est un sans-papier. Là, ils nous l'ont mis danois. C'est un danois, c'est pas un allemand. Parce que s'il est basé sur Toni Kroos, Toni Kroos qui est 100% allemand, hein, mais il est danois. Vas-y, si tu veux, si ça te fait plaisir. Si ça te fait plaisir pour les plaisirs du jeu, ok, pas de problème. 1206 de Stam, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, donc là, la nouvelle TS, enfin, il arrive avec une nouvelle TS, tu me diras, c'est que de nouvelles TS, c'est un nouveau joueur. Donc la formation Klaus Greb avec, je pense très mal, Schwarz-Greb, pardon, avec Hartland. Donc il va vous falloir les deux. Ensuite, les TS qu'il a, alors attention,
Pourquoi il a Mathirius, pourquoi il n'a pas de tac, pourquoi il n'a pas d'inter? Parce que j'en ai pas vu. Donc ils vont peut-être en rajouter dans le shop. Ça veut dire que... Non, je vous dis tout ça après. Je vous dis tout ça après, promis. Mais je ne me spoil pas, je me spoil pas. Bref, la fiche du personnage, donc 5% vitesse, club, 25%. Ça ne nous intéresse pas. Ensuite, chance maker. Oui, c'est un super passif pour les milieux de terrain. Donc il est MO post unique. Hein. Donc oui, c'est très bien. C'est très bien, full might, 10%, c'est très bien, on prend. Stimulus confiance, donc le combo, le double combo, le double combo buff. Donc qui gagne ou qui perd, tous les clubs prendront 5%. Génial, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est parfait, c'est parfait. Et enfin, annulation du scellement, une tentative de scellement moins, on prend. C'est un nouveau perso, donc il n'a pas de TS doublé, donc il va falloir il a un anti-scellement, c'est bien. C'est un bon playmaker. C'est un bon playmaker. Son kit fait qu'il est un bon playmaker. Mais malheureusement, et là, ils nous ont, et là, c'est une fraude. Moi, j'appelle ça une fraude absolue. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le scénario, ils nous l'ont vendu comme un monstre. Comme un monstre. Mais en fait, c'est une pipe. C'est une pipe. Ça vole pas haut. Oui, il a une bonne thèse de tir. Nanana. Ouais, si tu veux. Mais ça vole pas haut, en fait. Alors là, vous voyez, ça vole pas haut. Ça vole vraiment pas haut. Et vous le verrez avec la compa que j'ai faite avec. En fait, je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai juste enlevé truc pour mettre Lissman sur le côté. Voilà. Ça vole pas haut. Donc en fait, sachant qu'il aurait pu être allemand, s'il aurait été allemand, à la limite, allez, avec les boosts allemands, il aurait peut-être pu s'en sortir, mais je dis bien peut-être. Mais là, c'est danois, donc il va falloir boost euro et rien d'autre, ou boost club et rien d'autre. C'est très, 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 très décevant. C'est très décevant. Vous irez pas loin avec ce perso. Vous irez pas loin avec lui. Voilà, malheureusement. Malheureusement, c'est une déception totale. C'est une déception totale. Oui, c'est un ex-dream, d'accord, pas de souci. On peut l'avoir, truc et tout. Ouais, mais en fait, non. Non, tu peux pas nous vendre un perso. On nous a vendu du rêve, c'est de la poudre aux yeux ce qu'ils nous ont fait. On nous a vendu du rêve, comme ce perso-là, c'est un monstre et tout. Il le termine, il lui met des typons, des trucs et tout ce que vous voulez dans le scénario. Et là, tu nous donnes ça. Moi, j'ai pas envie de faire la comparaison parce que je vais me faire censurer. Je vais me faire censurer et ma vidéo elle va être effacée. Mais non, c'est pas des insultes, mais c'est juste autre chose. Voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude de sortir ce genre de comparaison. Mais là, non, c'est très, très, très décevant. C'est vraiment très décevant. Pour un milieu de terrain, MO post unique, ça va pas aller loin. Et je vous assure, j'ai tellement pas cru quand j'ai vu ces stats-là. Donc j'ai refait. Non. En fait, ça aboutit toujours à la même chose. Pas bon. Pas bon, très décevant. En fait, voilà. Donc, analyse terminée. On va passer à la troisième partie de la vidéo. Et là, on va pas mal parler parce qu'il y a deux portails et cinq persos à définir pour savoir s'ils sont intéressants. Allez, c'est parti. Dernière partie de la vidéo. La question du jour, est-ce qu'il faut pull les persos? Alors, on va bien s'asseoir pour essayer de vous expliquer ça de manière claire et précise. Alors, de manière simple, et si je veux abréger, c'est non et non. Voilà, fin de la vidéo, merci, au revoir. Non, je plaisante. J'essaie de vous expliquer rapidement et assez clairement, d'accord? Alors, le portail à Hollande. Comme beaucoup l'ont suggéré, je vous en remercie. Il arrive trop tard. Parce que tu peux pas. Si tu veux mettre Dick, Klisman et Dolman, parce qu'il va falloir le mettre sur le terrain, il va falloir enlever du monde. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas enlever Zino, tu peux pas enlever Müller, tu peux pas enlever les frères Schmidt, Tiger Brand. On le reste sur les euros. Tiger Brand. Chester, Michael, même pas en rêve. Voilà, vous avez tout un tas de persos
qui ne peuvent pas être enlevés au profit de la Total Football. Surtout que vous risquez d'enlever du boost à Schneider. Pour Brian Nechtine, oui, c'est des très très bons joueurs. Mais ils seront pas à la hauteur d'un Schneider boosté. Et le Schneider boosté, vous savez ce que ça fait. Ça fait des carnages sur le terrain. C'est monstrueux, c'est inarrêtable. Oh là là, c'est abusé. Bref, c'est abusé. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. En plus, c'est les 3%. Si jamais il y a d'autres persos qui sortent et qui peuvent booster, qui les mettront à la hauteur, qui mettront le Total Football à la hauteur de l'esprit germanique, ouais, à la rigueur, ouais. Mais vous aurez toujours la possibilité d'aller les chercher après. Donc, c'est des persos 3%. Il y a moyen de pouvoir les récupérer avec les... Bon, après, c'est plus compliqué. C'est plus simple de les récupérer maintenant. Donc, si vous avez beaucoup de DB et vous vous dites, vas-y, j'ai envie de faire une Total Football et on va les mettre de côté en attendant, ouais, allez-y. Si vous jouez Jap, passez le skip. Si vous jouez Jap, Mimir. Et même les deux, Next Dream et truc, vous pouvez dormir, laissez tomber. Vous ne prenez même pas la tête. Et gardez vos DB. Gardez vos DB pour le troisième portail japonais qui va arriver. Donc voilà. Je sais pas quand, mais je suis sûr et certain qu'il y aura un troisième portail japonais. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Voilà. C'est mon petit spoil. Mais voilà, donc c'est ça. Pour terminer avec le portail hollandais, si vous avez envie de vous diriger vers un Total Football plus tard, ouais, pourquoi pas, mais vraiment, pourquoi pas, mais c'est un peu tout petit, pourquoi pas. Et enfin, le portail... Ah oui, dernière précision. C'est vrai qu'il y a un truc très important. Le troisième leader skill à aller chercher. Troisième leader skill, non-jab de type V. Enfin, vitesse, 28% à aller chercher. Oui, ça, c'est très, très, très intéressant. C'est vraiment un must-to-have actuellement. Même si on en aura plus tard par la suite. Mais voilà, si vous êtes un peu en déficit de DB... ne vous prenez pas la tête. C'est vraiment un coup sur trois. Vous avez une chance sur trois de l'avoir. Si vous êtes chanceux habituellement, ouais, allez-y. Si vous n'êtes pas chanceux, franchement, ne le tentez pas. Bonne chance pour aller choper Klinsmann. Mais sinon, voilà, sans plus. Sans réel plus. Ensuite, le portail Next Dream, à part le lien 7%, Voilà, je vais rien dire de plus, à part le 7,5%, pardon. Il n'y a absolument rien à aller chercher. On arrive à 82%. Là, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà à 82,5%. C'est bien. Si vous voulez ajuster en enlevant un truc pour pouvoir mettre un autre, ouais. Ouais, mais sinon, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine, c'est des persos qui valent absolument pas le coup. Et pour étayer ce que je disais tout à l'heure, en fait, Heartland, il est en concurrence directe avec Schneider. Vert, euro, attaquant. Il faut vraiment que je vous dise lequel il faut mettre sur le terrain? Non, je pense pas. Vous êtes assez intelligent pour savoir lequel mettre sur le terrain. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Heartland, même pas sa place sur le terrain. Il est juste là pour le lien 7,5. Et Kraus, c'est juste une fraude, quoi. C'est très, très, très décevant. J'espère sincèrement que je ferai faire une vidéo pour dire excusez-moi, je me suis trompé, les stats qu'on m'a donné elles sont pas bonnes, en fait Kraus il est extraordinaire, mais là pour l'instant c'est juste une pipe, quoi. C'est juste une pipe totalement inutile, la pas autant inter, on se comme un mouton en duel à Mimir. Voilà, oh là là, en plus il a même pas de TS défensif, et en plus c'est vrai qu'il a pas de TS défensif, donc vous êtes sûrement posé la question, comment t'as fait pour définir qu'il aura tant de stats finales. En fait, j'ai tablé sur des TS à 530, ce qui est quand même pas mal. Donc, vous voyez que 530, voilà, c'est encore à Mimir, et il n'aura pas des TS à 540 ou 550, même pas en rêve. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment pure théorique par rapport au TS défensif de Kraus. Voilà. Enfin bon, donc vous avez la réponse à vos questions, est-ce qu'il faut pull ou pas. On va conclure là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end à vous. On va sûrement se retrouver très bientôt sur Twitch. Venez sur Twitch, il y aura sûrement un live d'ici la semaine prochaine. Il y aura un live avec un survivor amical, très certainement. Je me pose déjà, hein, je l'ai pas encore dit aux autres, mais il est fort possible que je stream ça. Voilà.
Voilà, histoire, c'est pour le divertissement. C'est toujours pour le divertissement, le stream. Enfin, allez, venez nombreux sur Twitch. On va s'éclater, on va passer un bon moment. J'ai pas encore la... attendez. Je sais vous donner la date. A priori, ça devrait être... début semaine prochaine. Début semaine prochaine, donc entre lundi et mardi. Entre les lundi et mardi. Donc, vous avez le lien... Vous avez le lien en description sur le... Sur le... sur la vidéo. Donc, venez. Venez, abonnez-vous. Mettez la cloche pour... Enfin, follow. Hein. Faut, je vous dis pas vous abonner. Mettez pas de l'argent. Je vous demande pas de mettre l'argent. Voilà. Mettez un follow. Abonnez-vous, c'est ça. Mettez le follow. Mettez la cloche. Comme ça, vous savez quand est-ce qu'il y a un live. Voilà. On va les passer un moment. On va rigoler et tout. Enfin, bref. On va rigoler. On va voir du beau jeu. Et voilà. Allez. Allez, bon week-end à vous. À bientôt. Et ciao. Prenez soin de vous. Attendez. Pas tout de suite. Ne partez pas. J'ai oublié la petite surprise. Ball est mon ami. Je ne le donnerai à personne.